entretien conduit par le conseiller principal d'éducation ont laissé clairement apparaître qu'une vingtaine de nos élèves ont fait vivre véritablement un calvaire à ce lycéen. Ce dernier a reçu des gifles, des calottes, des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture, des menaces. La principale du collège Nonon évoque l'agression d'un lycéen amérindien le 1er décembre à Cayenne. 18 élèves de l'établissement